Bienvenue sur le channel. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une excellente nouvelle. Colourpop fait un moins 25% sur tout son site. Quelques exceptions s'appliquent, bien sûr. Vous m'avez demandé depuis le début de la semaine, quand ils ont commencé à faire leur 2 pour 1 sur les Super Shock Shadow, Super Shock Chic, quelles étaient mes recommandations. Et là, quand j'ai vu le moins 25%, j'ai fait un sondage sur les Instagram en disant est-ce que ça vous dirait que je fasse une petite vidéo en vous disant quelles sont mes recommandations pour cette vente. Et vous avez été plus de 90% à me dire oui. Donc j'imagine que ça vous tentait. Je voulais juste vous dire aussi que je vais me fixer sur les produits. Genre, j'ai pas énormément parlé parce qu'ils sont nouveaux. Comme ils sortent des nouvelles choses très souvent, donc je les mets pas. Elle a décidé de jouer maintenant. Donc je les mets pas souvent de l'avant parce qu'ils sont nouveaux, justement. Mais si ça vous tente d'aller regarder dans les anciens produits, genre les Super Shock Shadow, Super Shock Chic, les anciennes palettes, je vous mets la playlist Colourpop dans la barre d'infos dans laquelle vous allez avoir. Pourquoi elle ne joue pas avec du coton, je ne sais pas. Dans laquelle vous allez avoir toutes les infos, les tutos. Tiens, tu es où ? Sur Colourpop et les produits que je recommande. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Si ça vous tente de jeter un œil et si vous avez des questions dedans, vous pouvez les voir en action, les swatchs, les applications et tout, mes avis aussi. Donc c'est dans la barre d'infos. Là, je vais vraiment focusser sur les nouvelles choses que j'ai découvertes et que j'ai jamais mentionnées, je pense, ou que j'ai peu mentionné, pour que vous puissiez profiter du 25% d'escompte. Et avant que j'oublie, il y a un concours, donc je vais chercher le prix. Un concours, donc je disais, je vous ai mis dans un petit paquet 6 fards à paupières tressées, dont 4, 3, 2, 1, non, dont 3 sont des glitters pressés, si ça vous tente d'essayer. J'ai mis mes couleurs préférées, c'est-à-dire Centerfold, j'ai mis Sandbar qui est un rose fluo, j'ai mis un brun aussi et des couleurs comme ça. Ça vous tente de les remporter, je vais mettre les instructions dans la barre d'infos. Et je voulais aussi dire qu'il y a un concours parallèle à cette vidéo sur Patreon car nous avons dépassé les 100 marraines et parrains de la communauté, donc merci, merci énormément et merci Laetitia de, c'est la nouvelle marraine de cette chaîne, alors merci Laetitia de faire partie de la famille. Je t'invite à te présenter à tout le monde dans les commentaires. Si ça vous dit de faire connaissance avec Laetitia, faites-le, faites connaissance entre vous, c'est le but de cette chaîne, créer une communauté, ne pas être seul chacun dans son coin, partager les passions, le make-up, le voyage et tutti quanti. Ça se passe dans les commentaires et dans la barre d'infos si ça vous tente. Et si ça vous tente de faire partie de la famille Patreon à partir de 1$ par mois, je vais mettre la vidéo juste ici. Pas la vidéo, le lien qui va vous envoyer chez Patreon. Si vous avez n'importe quelle question au sujet, n'hésitez pas à me demander. On en a parlé dimanche dernier dans le chit-chat Sunday. C'est tout, j'arrête, passons aux suggestions. Alors vous allez voir qu'il n'y en a pas 40 000. J'ai préparé, j'en ai préparé vraiment comme des nouveautés. Je commence avec les mascaras parce que je pense que j'ai jamais recommandé les mascaras de... Si, j'en ai parlé en disant que je les aimais bien. J'ai deux favoris, j'en ai beaucoup. Je me suis limitée, ok. J'aime beaucoup le rouge qui s'appelle Left on Red. C'est rouge. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai pas envie de travailler le bas de mon œil. Ce make-up arrive bientôt. Si j'ai pas envie de travailler le bas de mon œil mais que j'ai déjà fait un make-up et tout, je mets ça, c'est comme si j'avais travaillé. Et l'autre, c'est le Kiss and Teal qui est vraiment très flashant et je l'adore énormément. J'aime le blanc aussi et j'aime le corail et j'aime le bleu. Mais so far, ces deux-là sont mes préférés. Voilà, je pense que c'est mes deux préférés. Je mettrai tout le monde à barre d'infos si ça vous tente d'avoir les liens vers ça. Ensuite, comme palette, j'en ai sélectionné qu'une seule. Pourquoi? Je vous explique. C'est parce que j'en avais mis plusieurs. J'en avais déjà parlé des milliers de fois. Genre la Through My Eyes, la Zodiac palette,
la Shea palette et tout ça, mais je pense que j'en parle à chaque fois que je parle de Colourpop, mais celle-ci, j'en ai pas parlé plus que ça. Écoutez, la palette Sweet Talk mérite encore une mention, s'il vous plaît. C'est une superbe palette. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Je préfère récidiver. Si vous n'avez pas vu de vidéo encore de ma part et que vous tombez sur cette vidéo et que vous cherchez des recommandations, la Sweet Talk palette est ma favorite du moment. J'en aime énormément, mais celle-ci sort du lot dans les nouveautés. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a deux glitters pressés, il y a de quoi faire du marronné, du... Je me suis fait mal. Du orangé et du rosé avec des textures et des mattes, des irisés, des textures différentes. Franchement, cette palette est fantastique et je vous dirais d'aller faire vite quand même parce que hier, j'ai petit secret, j'ai passé commande exprès pour vous. J'ai fait une commande juste pour mes prochains concours et quand j'ai voulu mettre des trucs dans mon panier, il y a énormément de choses qui étaient sold out. Donc je voulais juste vous dire, si ça vous tente, la Sweet Talk palette, un bijou, je l'adore. Ensuite, Jelly Much, c'est une texture gel, ça se vend en pot, ça vient comme ça. J'ai choisi une couleur qui est Big Ego, qui est pour le moment ma préférée parce que elle est comme vert et violette en même temps. Donc vous l'appliquez au doigt, je vous dirais que ça sèche assez rapidement. Mettez une coupe Duraline avec le temps. Bon là j'en ai pas mis, mais n'est-ce pas magnifique ça, c'est, j'adore cette texture. J'en ai mis juste ici aussi, pas celui-là évidemment, mais Jelly Much Big Ego. Si vous voulez faire genre un échantillonnage et vous dites lequel prendre, Big Ego. Après le reste vous pouvez prendre ce que vous voulez, je vous donne ma suggestion number one, ok. Ensuite, les gel liners, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et récemment ils ont ressorti leurs gel liners. Ceux en bâton, je les aime pas du tout, mais ceux en peau, je les adore et ils ont énormément de couleurs. Celle-ci est ma dernière acquisition, c'est la couleur Vénus qui est un rouge pétant eyeliner et il est super cool, il s'applique super bien et je l'adore et je ne peux que le recommander si ça vous tente d'avoir un bon eyeliner rouge. Ça peut aussi faire une base à paupières, je vous suggère ça. J'ai changé d'avis sur un produit et depuis je me dis que je devrais vous partager la nouvelle, les ultra blottés de lip, mais pas les ultra blottés de lip couleur nude. Je trouve que nude c'est pas encore mon truc, mais les ultra blottés de lip colorés sont vraiment sympas. Alors lui, j'ai Ojai There que j'ai porté dans une vidéo récemment, que j'aime beaucoup. J'ai pas regardé si c'était aussi en solde chez Farfrae Beauty parce que tout est sur le site. Donc je me suis dit, tiens, je vais quand même vous recommander un produit de Farfrae Beauty qui est la marque sœur de Colourpop. Vous voyez que je suis rendue ici. C'est ma crème de nuit en ce moment. Ça s'appelle le Turmeric Face Milk. Je mets du face milk l'été parce que ma peau devient plus grasse et plus de sébum et plus de boutons. Sinon j'ai la glow oil, mais je ne l'ai pas testée assez longtemps pour vous dire si elle est bien. Mais elle, ça fait longtemps que je la teste et je l'aime beaucoup. Donc c'est appliquer 2 à 3 gouttes dans les paumes et les réchauffer et l'appliquer sur le visage. Moi je l'aime bien, franchement c'est vraiment très cool. Ça me donne assez bonne mine. Écoute, j'ai rien de mal à dire sur ce produit, je le trouve très cool et très efficace et pas cher. Donc si ça voulait tenter de tester aussi Farfrae Beauty, il y a ce produit que je vous recommande. C'est dur de recommander des produits pour le visage parce qu'on est tous différents. Mais il y a aussi le duo de cleanser, huile et gel. Si ça vous dit, je vais aussi le mettre dans la barre d'infos aussi. Parce que ça fait genre 3 fois que je le rachète. C'est quand même un gage de qualité, je pense. Aussi, les lip crayons. Je les aime beaucoup. Alors ça, c'est le duo Duo Peach. Mais je pense que ce duo est tout le temps sold out. Alors c'est la couleur Z-Boys et la couleur Rise and Shine. Des deux, je préfère Z-Boys. Qui est un joli nude. Mais pas trop. Pour moi, ça donne un joli nude sur ma peau.
Et ça sent le fruit de la passion intensément, un petit peu longtemps, mais pas toute la journée. Si vous voulez essayer ceci, je vous les recommande. Ah, les pinceaux! Les pinceaux Colourpop sont vraiment très sympas. Moi j'en ai quelques-uns, j'ai commandé 3 autres sets qui arrivent et je les trouve très cool. Franchement, une bonne qualité, bonne tenue, se lave bien. Puis ils ont plein de pinceaux originaux aussi. Si ça vous tente de tenter un set de pinceaux, je sais pas si les sets sont soldés ou à l'unité, ça peut fonctionner aussi. Les pinceaux aussi sont vraiment très sympas. C'est aussi une recommandation de ma part. Sol Beauty, je n'ai pas encore essayé le produit parce que j'attends le pinceau Kabuki qui est toujours out of stock, donc ça reste quand même très compliqué. Mais si jamais les 9 Pans palettes vous tentent, je sais qu'il y en a certaines qui ne sont pas soldées et je pense que la majorité ne sont pas du tout soldées en fait. Mais si ça vous tente de les glisser dans votre panier pour que ça fasse un chiffre rond, mettons, mais je vous suggère les nouvelles. Des nouvelles, mes préférées, c'est la Main Squeeze et la Orange You Glad. Et la Orange You Glad, on a fait une revue il y a pas longtemps, je vais la mettre juste ici, ça vous tente d'aller regarder. Mais je l'ai testée qu'une fois, et je l'ai testée beaucoup plus longtemps, donc je peux vous dire qu'elle est géniale. La Orange You Glad, c'est comme un coup de cœur instantané, mais je peux pas vous dire à long terme quelle sera ma relation avec cette palette. Ma favorite de tous les temps reste la It's My Pleasure, ainsi que la Oh La La et la Just My Luck. Je vais mettre ça dans la barre d'infos si ça vous tente. Ah, les pigments. En ce qui concerne les pigments les petites paillettes loose, je vous dirais d'aller vers les petites paillettes loose. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus... Elles sont fun, elles sont belles, elles sont petites. Je vous dirais d'aller plus vers les paillettes loose que d'aller vers les Glitterally Obsessed parce qu'ils sont pas faits pour être mis sur les yeux parce que c'est des grosses paillettes. Alors que les paillettes loose sont vraiment super fines. Donc ça, c'est mon avis. En ce qui concerne les couleurs, je vous conseillerais le corail. Je vais mettre la photo juste ici. Et puis en ce qui concerne les pigments, je vous dirais d'aller vers la collection Zodiac de Kathleen Light plutôt que les pigments qui sont sortis par la suite, parce que ceux de Zodiac sont plus unique, beaucoup plus shiny et pailleté et beaucoup plus coloré que la seconde collection. Sagittarius par exemple, je vous le conseille, très joli. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui va vous plaire. Qui va passer commande? Est-ce que ça vous tente ou pas? Je pense que la vente dure jusqu'à lundi, qui est la fête du travail pour tout le monde aux États-Unis et au Canada. Après ça, j'imagine qu'ils vont nous sortir un nouveau truc pour la semaine prochaine. Peut-être une palette mint, peut-être une palette lila ou lavande. J'espère l'une des deux. Croisons les doigts. Nostradamus est avec nous. Je vous laisse mon visage ici. Ça vous tente de vous abonner à la chaîne? Je vous laisse la vidéo d'hier juste là. Ça vous tente d'aller regarder. Je pense que c'était une vidéo avec Mathieu. Même si vous n'aimez pas les histoires paranormales, la partie 2 était tellement plus fun que la partie 1. Je vous la conseille. Je remercie encore Laetitia ainsi que toutes les marraines et tous les parents de cette chaîne de sponsoriser cette chaîne et de réaliser un rêve et notre rêve. Et de faire des vidéos tous les jours et porter du make-up tous les jours, c'est quand même pas mal cool. Merci énormément. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Ben moi oui. Bye!